Alors, Bruno Le Maire euh, était fier euh, d'annoncer qu'il avait sauvé l'économie française il y a de ça quelques semaines, avant l'été. Est-ce euh, que vous pensez que c'est le cas Est-ce que Bruno Le Maire a sauvé l'économie française ou est-ce qu'il l'a plombé pour des années et des années encore Bonjour. Euh, non, mais il a le problème, c'est qu'il a dissimulé ces résultats qui sont catastrophiques. Oui. Il faut même comprendre que si on a ces chiffres-là, c'est parce que le, le président de la commission des finances, Eric Coquerel, et son adjoint, Charles Courson, ont fait le siège de Bercy pour obtenir les chiffres. Sans ça, on les aurait même pas. Et le problème, c'est ces chiffres-là. On ne les a pas eu pour l'élection législative, et donc cette élection législative, elle a été faussée par. Euh, cette dissimulation de la situation catastrophique du budget de la France. Alors vous avez rappelé les chiffres mais euh, le fait de parler en pourcentage du PIB c'est même une façon de, de 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 minorer en fait la gravité de la situation. Alors on, on va repartir aux chiffres de base et, et c'est les chiffres que je prends arrondis pour que tout le monde ait bien les les, les masses en tête. Les recettes de l'État, on parle que de l'État, on parle pas de la sécu et des collectivités locales. Les recettes de l'État, c'est 350 milliards d'euros, ces dépenses, c'est 500 d'euros donc le déficit c'est 150 milliards d'euros j'ai arrondi hein mais mais c'est pour bien comprendre il faut ramener 150 milliards de déficit à 350 milliards de recettes ça fait 40, 40%. donc le déficit du budget de l'État c'est 40 alors ensuite, on compare au PIB parce que c'est une façon de calculer dans les critères de Maastricht, c'est une façon de calculer par rapport au taux d'intérêt de la dette, etc. Bon, ok, mais, mais le déficit, c'est celui-là. Alors pour que les gens se représentent, par exemple, on pourrait comparer, on pourrait dire un ménage, imaginez un ménage qui gagne 3 500 euros par mois et qui en dépense 5 000. Hmm. Bon, bah il y a vite un problème. Le banquier il va, il va téléphoner euh, ou, ou, ou une entreprise, une, une PME qui fait 3 millions et demi de ventes. De fil d'affaires et qu'à 5 millions de charges. Mmh. Quand on est dans ces situations-là, la situation est catastrophique. C'est-à-dire qu'il faut tout remettre à plat. Quand on parle en pourcent de PIB, on se dit, bon, on va serrer les boulons un peu à droite à gauche et puis on va revenir à l'équilibre. Mais non, la situation est très grave. Et la note du Trésor, là, elle dit, justement, à la sortie de chiffres que vous avez repris, pour mmh. revenir, non pas, même pas à l'équilibre en 2027, mais simplement à 3% de déficit par rapport au PIB, il faut trouver 110 milliards d'ici là. Et le problème, c'est que, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de débat au législatif. Donc, il n'y a aucune légitimité. C'est-à-dire, Michel Barnier et son gouvernement, quelle que soit leur bonne foi ou leur mauvaise foi, on ne sait même pas. Mais de toute façon, il n'y a pas eu de débat face aux électeurs des différentes formations politiques sur ce sujet-là, parce que les chiffres ont été escamotés par Bruno Le Maire. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Donc, moi, je pense que... Alors, avant même de penser à la destitution de Macron, est-ce est qu'il n'y aurait pas une façon, je ne suis pas constitutionnaliste, mais une façon de... de, 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 de de mettre en jugement Bruno Le Maire pour dissimulation de chiffres. Mmh. Il, y a, il y a au cours de parce justice que, choses comme ça, mais, mais c'est quelque chose de très grave qui s'est passé. Est-ce hein. que ce que vous dites, c'est que les chiffres sur mmh. euh, le déficit étaient connus bien avant les législatives. Oui, ou, oui, ou, oui, bien ou, sûr. Lui, parce que ça lui, fait lui Bruno longtemps. Le Maire va dire non, je ne savais pas. Non, merci, non, 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 a... non, mais ça c'est faux. C ça, ouais. fait ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on le connaît. Ça fait longtemps que d'ailleurs plus, plus les sénateurs que les députés se plaignent de manquer de chiffres. Hein. Et, et puis quand on a un dérapage de cette ampleur-là, ça fait plusieurs mois. Euh, que, que les services de Bercy, qui sont très compétents, le savent. Donc, donc ils ont été explicitement cachés pour l'élection législative, pour limiter les dégâts du, du, du pouvoir en place. Voilà. Mmh.